En 2023, 57% de la production d'électricité est d'origine renouvelable grâce à la conversion des centrales thermiques d'EDF, PEI et du port. La conversion à la biomasse liquide ou à la biomasse solide. Et puis grâce également au développement des énergies renouvelables intermittentes telles que le photovoltaïque. On a raccordé en 2023 1000 nouvelles installations photovoltaïques au réseau de distribution d'électricité. Alors on arrivera à 100% en 2024. Les conversions sont en cours et seront totalement achevées en 2024, ce qui nous permettra d'avoir en 2024 100% de production d'électricité d'origine renouvelable. Il nous reste à finaliser la conversion d'Albioma, la centrale Albioma du Gol, qui est en cours et ça sera achevé mi-2024. Bien sûr, ce mix énergétique 100% renouvelable permet de réduire très considérablement l'impact carbone de la production d'électricité à La Réunion. Et ça permettra aussi d'accompagner le développement de nouveaux modèles d'usage de l'électricité, tels la mobilité électrique, qui nécessite évidemment de nouveaux moyens de production renouvelables.